à tous sur la chaîne YouTube ainsi que les réseaux sociaux Euro 4x4 Parts. Aujourd'hui, on va faire un petit peu un listing des indispensables en termes d'accessoires, d'équipements pour passer un bon bivouac. Voici désormais notre sélection plus orientée confort. Donc premièrement, le auvent. Qu'il s'agisse d'un auvent droit ou d'un auvent 270, on vous le préconise puisque en cas de soleil, vous pourrez vous mettre à l'ombre. En cas de pluie, vous pourrez vous abriter. Sur le auvent 270, et cela rejoint notre point précédent sur les éclairages, vous avez une barre LED intégrée, ce qui vous permettra le soir de vous abriter s'il pleuviote et puis aussi d'avoir votre coin repas éclairé. Le must aussi au niveau du auvent 270, et on vous le préconise fortement, ce sont les murs qui vous permettent en fait de créer une pièce à part véritablement en dehors de votre véhicule. Et quand vous passez plusieurs jours dans votre véhicule, qui plus est si vous êtes dans un intérieur aménagé, ça fait du bien de prendre un petit peu l'air et d'être à l'abri. Deuxièmement, le barbecue. Le barbecue, c'est quand même sympa à avoir après une bonne journée road trip. On a envie de se faire plaisir et de pas seulement manger des pâtes dans une casserole sur le surf camp. Donc c'est une manière, voilà, barbecue plancha. On en fait chez Euro 4x4 Parts, on a le front runner, on a le Equip Addict, et cela vous permettra de voilà, faire des petites grillades le soir, etc. C'est super sympa, on l'avait fait avec l'équipe Euro, on s'était régalé. Donc voilà, barbecue, c'est quand même un plus. On n'en a pas parlé jusqu'à présent, mais ça peut être considéré comme un indispensable. Ce sont tout simplement la table pliante et des chaises pliantes aussi confortables. Puisque, et pour l'avoir fait, quelques jours en road trip à manger à même le sol sur un tapis, une tenture, etc. Ça peut convenir, mais ça va un temps. Et puis il suffit que le sol soit mouillé, par exemple, c'est plus trop possible. Donc chaise pliante, confort, équipe addict. Et table pliante également. Ensuite, on a le réservoir d'eau, puisque si vous partez 2-3 jours, bon, c'est possible de faire avec des bouteilles achetées préalablement, conservées aux frais de préférence. Mais c'est vrai que si vous partez sur la durée, en plus sur des zones reculées où vous n'avez pas la possibilité de racheter de l'eau si besoin, le réservoir d'eau est quand même essentiel pour votre eau potable, mais également si vous voulez vous permettre une petite douche pendant votre road trip. C'est quand même sympa. Ensuite, le réchaud, comme ce modèle Jade Boil que l'on commercialise chez Euro 4x4 Parts pour votre thé ou le café le matin, c'est très agréable aussi. Enfin, et dernier point non négligeable, c'est une solution pour traiter vos déchets. Alors, au-delà du sac poubelle simple qui risque de propager des odeurs pas très agréables au sein de votre véhicule, nous, chez Euro 4x4 Parts, on utilise notre sac de roue qui est en fait un compartiment dédié aux déchets et qui permet de ne pas avoir de soucis d'odeur ni quoi que ce soit pendant le road trip, puisqu'il est situé à l'extérieur du véhicule, à l'emplacement de votre roue de secours. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Vous avez désormais tous nos indispensables qu'on vous préconise en termes d'accessoires, d'équipements pour vos road trips en 4x4. Qu'il s'agisse d'accessoires un petit peu plus orientés confort, comme le auvent par exemple, vous avez notre listing, important à prendre en compte avant de partir, puisque c'est toujours quand on est sur place qu'on se rend compte qu'on a oublié ce petit truc qui peut faire vite la différence. Et bon, ça fait des anecdotes, on en rigole après. Bien évidemment, vous pouvez retrouver toutes les références dont on a parlé aujourd'hui et plus encore sur notre site www.euro44parts.com. Je vous dis à très bientôt. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.